Je voudrais maintenant ouvrir le débat. On va évidemment revenir sur les deux présentations qu'on vient d'entendre. Je voudrais d'abord ouvrir avec vous, Jean-Louis Bourlange. On va aborder tout de suite une question. On va crever l'abcès hein, d'entrée sur la question de la dégradation du triple A de la France, parce qu'évidemment, c'est le sujet qui a occupé toutes les discussions ce week-end. Une dégradation d'ailleurs qui s'intègre dans la dégradation de 9 pays, mais celle qui a évidemment le plus marqué les esprits ici, c'est celle de la France. Est-ce que c'est symbolique, d'après vous, ou est-ce que c'est un vrai coup dur? Écoutez, je ne suis certainement pas le mieux placé pour aborder les problèmes de la dégradation. Il y a là un ensemble de gens beaucoup plus compétents que moi sur ces questions-là. Ce que je peux simplement dire sur ce point précis, ce qui m'a frappé, c'est le décalage entre la perception assez politique, et c'est compréhensible, à 3 mois de l'élection présidentielle, la conception assez politique et assez hexagonale de la dégradation telle qu'elle est perçue dans les médias, dans l'opinion, dans les partis politiques, alors qu'il me semble que le phénomène doit être situé dans la perspective européenne et que celui qui a eu, on peut contester le diagnostic qu'il formule à cet égard, mais je crois qu'il se situe au bon niveau, celui qui a eu la bonne réaction, c'est le président du Conseil italien, Mario Monti, quand il a dit c'est une agression contre l'Europe. Alors on peut discuter, savoir si les agences de notation se livrent à des agressions. Ce qui est certain, c'est premièrement que ça ne nous apprend rien, puisque ce que nous savions à peu près, ce que dit Standard & Poor's, nous le savions tous. Deuxièmement, que ça a des conséquences négatives extrêmement précises. Alors moi, je me rappelle quand même toujours la définition classique du pervers, fait le mal en le sachant. Donc, il ne suffit pas de savoir pour ne pas faire le mal. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas la rationalité de cette affaire si on la met en dehors d'une préoccupation globale d'appréciation sur l'avenir de la zone euro. Parce qu'après tout, Mario Monti fait exactement ce que l'ensemble de la communauté économique et financière lui demande de faire. Ça marche plutôt bien. Il est apprécié, il est courageux. Les Français eux-mêmes, il y a quelques mois, se voyaient reconnaître des efforts dans la bonne direction et ont salué le fait que la réforme des retraites avait quand même été un élément de stabilisation qui n'avait pas d'effet négatif sur la croissance. On ne voit pas très bien ce qui a changé. Sinon, la seule chose qui ait changé, c'est qu'effectivement, et là, les agences disent quelque chose de tout à fait juste, enfin l'agence en question dit quelque chose de tout à fait juste, c'est que le problème budgétaire n'est pas le seul problème de la zone euro, que ce n'est pas le problème de tous les pays de la zone euro, que c'est un problème qui s'est posé gravement en Grèce, qui se pose assez sérieusement, mais plus récemment en Italie, qui se pose très sérieusement depuis de longues années en France, mais qui n'a jamais été le problème de l'Espagne ou le problème de l'Irlande, sauf en phase d'aboutissement à la suite d'un transfert sur le plan budgétaire de conséquences de dérèglements économiques et bancaires d'une autre nature. Donc, quand les agences nous disent « vous n'avez pas simplement un problème d'équilibre budgétaire », mais vous avez aussi un problème de course entre vos capacités de remboursement et votre taux de croissance, donc votre compétitivité. Elle vous dit implicitement que ce qui est en cause, ça a été le dérèglement de la montée des coûts unitaires du travail dans l'Europe du Sud de façon extrêmement peu sage. On n'a pas appliqué la fameuse maxime de Wilfried Baumgartner, qui disait, je crois que ça résume absolument toutes les politiques d'un ministre de l'économie, l'essentiel, c'est de ne pas faire plus de bêtises que les autres. Et il y a un certain nombre de pays qui, comparés à l'Allemagne, ont fait plus de bêtises que les autres. Mais à partir du moment où on dit ça, on ne voit pas du tout pourquoi on ne sanctionne pas l'Allemagne. Parce que c'est quand même l'Allemagne qui tient le discours selon lequel le problème fondamental de la zone, c'est uniquement, principalement, un problème de discipline budgétaire. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en France, on doit faire de la rigueur. On doit non seulement, on est obligé de se serrer la vis sur le plan fiscal, mais qu'on doit réduire profondément les déficits, la dépense publique. Je pense que nous devons faire en France ce que les sociaux-démocrates suédois
On ne parle pas seulement des Allemands de M. Schröder, mais les sociaux-démocrates suédois ont fait à partir de 1994, où ils ont réduit la dépense publique de 64 à 53% du PIB sans casser l'État-providence, sans démanteler la protection sociale, en la resserrant, et où ils ont inversé les déficits budgétaires. Ils sont passés d'un déficit de 10% du PIB à un excédent de 5%. Mais en revanche, je crois qu'on a raison de dire que le problème, et je suis d'accord avec l'analyse inquiète de Patrick Artus sur ce plan-là, le problème budgétaire n'est pas le seul. Nous avons un problème de compétitivité, nous avons, que Mario Monti d'ailleurs aborde, avec des réformes structurelles qui ne seront pas suffisantes et qui auront un effet à moyen terme seulement, mais il y a quelque chose de très sérieux. Alors si le message est « vous devez avoir une politique plus compréhensive », là la cible devrait être l'Allemagne. Parce que c'est l'Allemagne qui nous enferme un peu, pour des raisons qui sont légitimes partiellement, dans ce débat strictement budgétaire. C'est pour ça que là, la manœuvre me paraît quand même assez perverse. Parce que, et je termine là-dessus, ça consiste en fait à créer le déséquilibre. Car en réalité, pour sauver la zone euro, il aurait fallu dégrader tout le monde. Et dire les Anglais sont peut-être très mal gérés et les Allemands très bien, mais les Allemands conseillent et imposent à la zone euro une politique qui n'est pas la politique dont ils ont besoin. Ils ne font pas ça. Parce que ça serait... Ils accusent le déséquilibre entre la France et l'Allemagne. Je crois qu'ils font quand même de la politique. Et cette politique, elle vise quand même en profondeur à déstabiliser la zone euro. Donc je suis vraiment partagé entre l'idée qu'il y a derrière ça une idée juste qui est de ne pas s'enfermer strictement dans la rigueur budgétaire, même s'il faut la faire, et une idée machiavélienne qui est de dire « j'ajoute ma petite cuillerée d'acide sulfurique là où ça fait mal ». Oui. Alors il faut quand même préciser que dans les commentaires, S&P précise que c'est à la fois le fruit du deleveraging des ménages conjugué à celui des États et également le seul pilier de l'austérité qui n'est pas suffisant, évidemment, pour relancer la machine. Et ça, ils le disent de manière très précise. François Hesbourg, je vous voyais réagir à ce que disait Jean-Louis Boulange. Oui, tout à fait. J'étais très intéressé par ce que disait le professeur Otte il y a quelques instants sur les effets politiques de l'euro. Et qu'est-ce que nous constatons ? C'est que nous constatons qu'au cours des derniers mois, le premier effet politique de la façon dont nous gérons la crise de l'euro est de casser l'Union européenne. C'est la première conséquence. Et les Britanniques sont ailleurs. Alors certains diront, bon débarras, j'étais en Allemagne récemment, c'est un peu l'atmosphère, finalement, tant mieux. Et en France, il y a aussi de ça. Mais du coup, ça renvoie tous les autres dans un huis clos avec les Allemands. Or, la politique que les Allemands souhaitent que nous suivions par rapport à l'euro est une politique qui est purement budgétaire, ce que disait Jean-Louis Bourlange, et qui est une politique incroyablement récessive. J'étais en train de regarder le texte du traité qu'on va nous infliger à la fin du mois. La rédaction est très avancée. Pourquoi est-ce que j'ai lu le texte du traité ? Parce que j'écoutais M. Mélenchon l'autre soir. M. Mélenchon disait « c'est bien pire que Maastricht, c'est 1% du 1% de déficit budgétaire ». M. Mélenchon se trompe. Ce n'est pas 1% du déficit qui sera autorisé, c'est 0,5%. Et 0,5% pour les élèves ordinaires, et ceci dans un laps de temps n'excédant pas 5 ans par rapport à l'entrée en vigueur du traité, 1er janvier 2013. Et autrement dit, il va falloir, en l'espace de 5 ans, pour des pays comme la France ou l'Italie, dégager des excédents primaires absolument gigantesques. Et ceci, pas à l'échelle d'un pays comme la Suède, dont Jean-Louis Bourlange rappelait à juste titre l'exemple, parce que la Suède était quand même entourée de pays qui étaient en croissance. Et alors que là, nous avons tout le monde qui va aller vers la réduction budgétaire simultanément. Ce que disait Patrick Artus, 1% de réduction budgétaire, si tout le monde le fait en même temps, eh bien ça fait au moins 1% de réduction du PIB. Ben là, on est dans une récession pluriannuelle
à plusieurs points du PIB, du moins si j'ai bien écouté ce qu'il nous a dit. Et ce n'est pas comme ça qu'on va sauver l'euro, et j'en reviens à ce que disait le professeur Otte sur les effets politiques. Il est évident que si cette politique devait être appliquée, ce dont je doute, je ne pense pas que le traité tiendrait très longtemps, plutôt moins longtemps que n'a tenu le traité de Maastricht en ce qui concerne le pacte de stabilité. Et si par malheur nous appliquions le traité, je pense que, comme le prévoyait M. Monti lorsqu'il est allé à Berlin il y a 3 jours, M. Monti a très clairement souligné les risques de populisme, et les risques qu'il y avait que, en Italie comme ailleurs, les électorats ne supporteraient pas très longtemps un régime de cheval de ce type-là. Et autrement dit, je me souviens de la réunion ici il y a 1 an, et il y a des tas de gens beaucoup plus savants que moi qui me disaient qu'il était impossible d'imaginer un seul instant que tel ou tel pays puisse quitter l'euro. Ce n'est pas prévu dans les traités, donc ce n'est pas faisable, n'est-ce pas? Et où, grosso modo, la seule façon de faire était de continuer à faire ce que nous faisons. Mais si nous continuons à faire ce que nous faisons, l'euro éclatera complètement. Et il est urgent de changer le système d'exploitation. Alors, est-ce que c'est la combinaison de la dévaluation dans laquelle M. Draghi a commencé à nous entraîner de façon plutôt intelligente, plutôt convaincante? Si c'est ça, c'est plutôt bien. Et une dose d'inflation et la mise en congé de l'euro de 3 ou 4 pays qui ne peuvent pas s'en sortir s'ils n'ont pas, alors là, eux, une immense dévaluation, pas une dévaluation marginale comme celle que nous vivons à l'heure actuelle. Et, si nous ne faisons pas une politique avec ce genre de policy mix, je crains fort que nous ne parvenions pas à sauver le soldat euro. François Hesbault, merci. Ça fait beaucoup effectivement de points qu'on, à mon avis, on va revenir sur un certain nombre de questions que vous soulevez. Je voudrais passer la parole à Nikos Vernikos, parce qu'évidemment, quand on pense aux pays aujourd'hui particulièrement en difficulté et au cas d'évaluation auquel François Hesbault fait référence, évidemment, difficile de ne pas penser à la Grèce. Conjointement à la décision qui a été prise la semaine dernière de SNP, au même moment, il y a une situation particulièrement critique en Grèce. Il faut le rappeler, les négociations entre le gouvernement, la Troïka et les créanciers privés ont été suspendues, faute d'accord sur le taux d'intérêt des nouvelles obligations qui doivent être émises. On pense forcément aux 14 milliards d'euros qui doivent être financés d'ici mars prochain. Comment voyez-vous, de votre point de vue, la situation évoluer? Et bonjour tout le monde. Tout d'abord, comme je suis le seul grec dans cette salle, j'espère que vous n'allez pas tirer sur moi. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre que j'aimerais bien qu'il se présente, comme ça je vais me sentir à l'aise. Alors, il n'est pas dans la salle. Je suis entouré des économistes. Moi, je suis un armateur grec, un homme d'affaires qui travaille sur le quai. Alors, ça que je veux vous apporter ici aujourd'hui, c'est ça que les Grecs pensent. La Grèce a des énormes défauts. Ça, il n'y a rien à faire, j'admets, ce n'est pas besoin de perdre du temps. Mais la Grèce, aujourd'hui, 2 ans après l'arrivée de la Troïka, est à une situation bien pire qu'avant. Notre dette est arrivée de 115% à 160%. Pourquoi? Parce que la recette imposée était fausse. Quand on a le cancer, il y a plusieurs technologies. Nous, on avait le cancer. Et heureusement, il n'y a pas du mal sans du bien, grâce à la Grèce, l'eurozone s'éduque. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La Grèce aujourd'hui, c'est un atelier où les économistes qui m'entourent aujourd'hui testent leur théorie.